Bon. Bon, t'as plus qu'à 5, allez. Bon, bah là, j'ai que de la merde, hein, d'accord? Faut pas que je fasse plus du niveau 1 parce que sinon ça rapporte rien du tout. Allez, tous les tranchants. Voilà, ça c'est fait. Faut que je relève les questions sur fiche. Les questions à regarder, la finité à peu près ici, ceci. Ok. On va emprunter un match de bouquin et on verra bien ce que ça donne. Ce qui, à mon avis, parce que plus on reste près du spawner, plus il doit faire spawner, je pense. Je sais pas si ça marche comme ça dans le code. Ça doit marcher comme ça, je pense. Possible. On va faire un jeu par le mieux. Ah, okay. Alors, tous les tranchants. Puissance qui va se limiter à quoi de pique, le reste on peut faire. La vache, tout ça c'est des enchantements limités. Bon, on a pas mal de niveaux donc on va en profiter. Bon, pas rien à garder. Comme ça, c'est fait. Ici, c'est quoi? C'est une efficacité. Hop. Ici, efficacité. Okay. Hop. On va prendre ça. On va aller se faire une enclume à rechercher du fer dans la mine optimisée. Je vais pas filmer le mirage optimisé, c'est bon, commencez à en avoir marre. Enfin pour vous, je suis sûr, même ça, je suis sûr que ça commence à devenir chiant. Donc là, c'est juste parce que voilà, on a. Oh! Là, je veux. Donc voilà, là, on a. Avoir un petit peu.
Excusez si vous venez d'entendre quelque chose. Alors, toutes les puissances, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tranchant, on s'en fout. Le reste, du protection et de l'efficacité. Donc, ok, nickel. Je pense qu'on va avoir ce qu'il faut en efficacité. Je pense. Encore un protection. Ok, donc là il y a juste un tranchant qui traîne. Excusez-moi si j'ai entendu ma mère derrière, mais elle s'énerve avec les chats. Ouais, mais ça va despawner entre deux, donc on va mieux qu'on tue tous. Enfin, au moins ceux qu'on a grindé. Ok, 3 lingots de fer supplémentaires, ben, ça déjà c'est déjà pas mal. Qui sait peut-être qu'à force de les fermer, on pourra se refermer en plus, mais arrive à un moment. Bon, on va essayer de faire les deux qui restent quand même. Efficacité. Puissance. À la base, se refaire une enclume, aller chercher ce qu'il faut. Ok, allez, c'est parti. Il fait jour, on en profite. Voilà, attends. Excusez-moi pour la coupure du son, donc c'est parti. On peut jamais être tranquille, ça change pas. Alors, mes protections, on va fusionner tout ça ici, hein, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Ici j'ai une protection, ici aussi. Hop, et deux protections 2, tant qu'on y est. On a un protection 3 et un protection 3, ce qui nous fait un protection 4. Hop, on stocke. On pourra le mettre sur notre plastron plus tard. On peut encore fusionner deux trucs. Sans protection. Bon, allez, j'ai bien encore en protection qui traîne. Non? Bon, bah pas d'autres protections. Donc ce sera deux efficacités. Ok, peinard. Et bon, on va éliminer. On va aller miner. Vu qu'il reste plus que ça qu'à faire. Donc on va se préparer pour ça.
Allez, juste un truc à mettre là, ici, ce sera des livres. Le reste, hop. Et si j'ai une efficacité 2. Bon, ça, ouais, attendez, hop, quand même, pas déconner. On va mettre ça là. Attendez, alors, qu'on s'organise, excusez-moi, qu'on s'organise. Les carottes, on va les planter plus tard, je vais juste les mettre là-haut. Juste qu'on soit tranquille. Ok, je m'occuperai de les faire pousser plus tard. Sinon, bah, pour le moment, bah, tout ça c'est poussé hein. Depuis le temps. Il va me falloir un second coffre à merdier. Bah, de toute façon, celui-là aussi c'est un coffre à merdier, donc voilà. On va jeter ça, ça on va le mettre là, on a une pioche, on a de quoi s'en faire d'autres. Une table de craft, hein, il va nous manquer du bois, on a un peu de bois mais pas assez. Juste de quoi se faire une seconde pioche. Voilà, on aura ça. Comme ça, on aura de quoi se faire quand même un minimum de choses de côté. On va se prendre des torches. Il nous en reste. Des sticks. Et le fer, tout ça, on verra au fur et à mesure de toute façon. La pioche en diamant, on va la finir. On la finira sur la fin. Et puis on est parti pour du minage. Plus tard, mon disque dur est plein. Donc eh bien, écoutez, ben, on se retrouvera pour une séance de minage. Ou alors je mine hors caméra. Je pense plutôt que je vais miner hors caméra, puis on verra. Les ressources que j'ai reçues. Ou alors non. Je vais vous proposer quelque chose d'autre, moi. Alors ça peut être considéré comme du triche, je le sais. Je voulais pas le faire à la base, mais je pense qu'on va le faire quand même. C'est comment dire, le comment accélérer ma vitesse de minage. Vous savez qu'au départ je voulais prendre le beacon pour accélérer ma vitesse de minage. Si j'active l'effet en fait de minage opti pour me mettre genre miner 5 fois plus vite, alors ça va pas m'économiser ma pioche, ça va pas me faire gagner plus de ressources, ça va juste me faire gagner du temps. C'est juste ça, c'est juste du gain de temps, parce que sinon ça va durer 50 plombes encore. Donc est-ce que vous m'autorisez ça? De toute façon c'est moi qui décide hein, quelque part. Ça m'embête un petit peu de le faire, mais voilà, je me dis que peut-être que si on faisait voilà là, de toute façon, on va encore tomber dans la faille, ou pas loin. Alors, vous voyez, et puis je pourrais augmenter mon effet de minage. Sinon, il faudrait que je retourne farmer du Wither Skeleton, mais vous voyez, c'est très long, j'ai pas une forteresse excellente pour ça. Je suis pas sûr que ça vaille le coup, quoi. De toute façon, je me fais juste cette galerie-là. Et on va se quitter là-dessus. Et puis on verra à l'épisode suivant. Soit je mine hors caméra, parce que si vous voulez, l'idée c'est simple. Si je mine hors caméra, on va dire que je triche. Parce qu'on
dit ouais, on n'a aucune preuve de ton minage. Si je mine comme ça hors caméra, on va dire c'est chiant. Donc moi je me dis quitte à faire autant entre guillemets tricher, mais en filmant, au moins l'assumer quoi. C'est pas réellement du triche parce que ça économise pas la pioche, je vous l'ai dit, puis ça me fait pas gagner plus de ressources, ça me fait juste gagner du temps. C'est juste du gain de temps, c'est pas, même si c'est pas vraiment légit, ça pourrait être fait quoi. Ou alors, attendez, hop, juste une seconde, on va tenter juste pendant une minute seulement. Attendez, effet Minecraft. On fait le test juste pendant une minute. C'est l'effet 3. Okay. Ouvrir le réseau local. Oui. Démarrer. Qu'est-ce qui... Salopard. Putain, il avait un arc flame lui. Oh, j'y crois pas. Oh, j'y crois pas. C'est peut-être un signe ça. C'est surtout un signe que c'est mal éclairé quelque part. Ici. Attendez, quitte à faire. Non, pas avec du gravier. Ok. Donc je disais. Je lâchais fait. Alors c'est joueur. Donc MDJ. L'effet 3 pendant 60 secondes. Et on va se mettre un niveau 5. Voilà. Et encore je gagne pas énormément de temps, mais enfin c'est déjà ça quoi. Limite pas plus que ça, limite. J'ai réussi à glitcher la lave, mais un truc de malade. Oui non pas tant que ça en fait. Donc voilà, moi je vous propose c'est ça, c'est de faire comme ça et puis puis on verra bien. Quoi qu'il en soit, on verra ça au prochain épisode. Juste dites-moi ce que vous en pensez, c'est juste pour accélérer la vitesse de minage. En soi, on va pouvoir peut-être mettre 10 et puis... Voilà, c'est juste histoire de gagner un peu de temps et puis, puis c'est tout. En soi, c'est pas abusé du genre... alors je vais mettre pendant 10 secondes du niveau 100. Voilà, ça je suis conscient que c'est complètement abusé au niveau 100. Pendant 10 secondes, voilà, ça j'ai bien conscience que c'est abusé, mais bon, ça nous fait gagner du temps quoi. Puis voilà, puis après donc j'ai les ressources et je peux les miner. Mais vous avez vu que ma pioche est partie à une vitesse folle aussi, donc je sais pas, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je pense que on va accélérer. On va simplement accélérer comme ça. Genre voilà quoi, au niveau 10 pour gagner un peu de temps, c'est tout quoi. Pas forcément niveau 100, mais voilà quoi, juste niveau 10 pour accélérer un petit peu. Et je prends pas de pioche efficacité. Enfin, faut voir.
Parce que sinon ça va être long quoi, c'est ça le problème. Après je sais qu'on est en hardcore, tout ça, mais bon. Je suis face à un dilemme là en fait. Bon voilà, j'ai utilisé ma pioche à fond. Peu quand même, tant que mon disque dur me dit pas stop. On va dire qu'on va faire ça, mais c'est juste pour accélérer un petit peu le rythme, sinon dans 50 épisodes on est encore là quoi. C'est bon, on s'est tapé 3 épisodes de minage précédemment entièrement légit, on va juste accélérer un peu le mouvement en fait, c'est tout. De toute façon, c'est pas très très intéressant le minage. Enfin voilà. Ça va se résumer à ça. Bon allez, moi je vais encoder les vidéos et on continuera là-dessus. À tout à l'heure. Ok, donc eh ben, nous nous retrouvons 4 heures plus tard, le temps pour moi d'encoder toutes les vidéos. Donc j'ai décidé de continuer en légit et simplement je vais vous parler un peu plus. Donc ça va être essentiellement du minage là pour le moment. Donc à la limite, vous pouvez faire autre chose en même temps que vous m'écoutez. Je sais pas trop quoi vous dire, mais il y en a qui m'ont dit ouais, ce serait bien si on pouvait en savoir un petit peu plus sur toi, donc sur moi entre guillemets. Donc et ben, je sais pas, pour ceux que ça intéresserait, ma vie, IRL, je m'appelle Mathieu, je vous dirai pas mon nom de famille, mais voilà, je m'appelle Mathieu, je suis né un 24 mars 1991 à Cherbourg, donc en Normandie, d'où vient mon pseudonyme. Alors je suis né en Normandie, mais je n'y vis plus depuis quelques années. Voilà, j'ai fait comment, donc je vis à présent en Picardie précisément. Je vous dirai pas où exactement, mais j'habite pas très loin du village de Marly-Gaumont. Voilà, connu pour le rappeur Kamini. Alors si vous me demandez tout de suite si je connais Kamini, la réponse c'est oui et non. Si vous voulez savoir,
La seule fois où j'ai dû rencontrer Kamini, à mon avis, je devais avoir 4 ans et on a dû jouer ensemble dans le même bac à sable. Voilà. Voilà. Et sinon, le père de Kamini travaillait, enfin était docteur. Et ma mère, travaillant également dans le domaine bah, de. Dans la médecine, enfin dans ouais, donc eh ben donc ma mère et donc le père de Camini se fréquentaient dans le travail, mais sinon c'est tout quoi. Voilà, ça c'était la parenthèse sur Camini. Donc non, donc moi aucun rapport avec Camini. J'étais dans le même collège que lui, à des années différentes. Moi, je suis rentré au collège quand lui, il a quitté. Donc voilà. Ça vous donne quelques moyens pour vous éventuellement de me retrouver IRL, mais voilà. De toute façon, à l'épisode où on est, si vous êtes encore là à m'écouter, bah, je vous fais ce cadeau, je vous en dis un peu plus sur moi. Ah ouais, minage optimisé à la TNT, ça aurait pu être cool ça. Ouais, ça aurait pu être cool. Bon, plus de bois de toute façon, donc il va me falloir du bois. Bah non, je suis con. Oui si. Non mais c'est moi qui fais n'importe quoi en fait. Oui si si, il va me falloir du bois pour les. Ouais non, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, hein, on est d'accord. Je redescends. Ouais, on remarque en fait ce que je voulais faire, c'était ça. Voilà. J'ai juste déposé un four en bas pour faire cuire le fer et me faire une pioche après. Mais je vais me faire ça près de là où je creusais. Voilà, donc que vous dire de plus voilà, vous savez déjà pas mal de choses. Mon vrai prénom, là où je suis né, là où je vis à peu près. Et donc je fais des études. Enfin, au moment où je tourne cette vidéo, je suis encore en stage. En stage donc pour de développeur web. Mais voilà, je suis assez investi dans ce que je fais. Ça revient au travail de toute façon que je vais faire plus tard. C'est du développement web. Donc la création de sites web et d'applications qui tournent dans les réseaux internes des entreprises. C'est mon boulot. Et j'aime mon boulot. Banal de célibataire de 23 ans, voilà. Que dire de plus sur moi? Fan de manga, ça vous le savez. J'adore l'univers de tout ce qui est jeux vidéo. Le reste, que vous savez. Niveau non parcours scolaire, ah si, au niveau non parcours scolaire, il y a une un petit truc dont j'aime pas vraiment parler, mais si vous voulez je peux vous le livrer quand même. Comment mon primaire et une partie de mon collège je l'ai fait dans une école privée. J'en ai beaucoup souffert. C'est voilà, c'est le seul truc dans ma vie. Et puis après au collège j'ai quitté donc le privé pour retourner dans le public.
Et depuis, ça allait nettement mieux. Donc j'ai fait mon collège, mon lycée. Et j'ai finalement terminé. Donc après j'ai fait mon BTS dans un autre lycée. Et puis là, la licence professionnelle.